Nico. Bonjour à tous, bonjour Hervé et bienvenue à Rome. On prend une position entre la Roma et le FC Barcelone. Le stade olympico que se partagent les deux clubs romains, la Dio et la Roma. Un stade pour deux grandes équipes, c'est assez fréquent en Italie en effet. Merci. L'enjeu fait siffler. Penalty, penalty pour le Barça. C'est bon, c'est rentré. Ah, il a su rester concentré là, c'est bien. Le tireur n'a pas tremblé. Il remporte son duel face au portier, c'est propre. Penalty, penalty pour le Barça. Oui, le joueur qui commet bien une faute. Hein. L'arbitre a pris la bonne décision. On voit que le joueur prend la jambe du porteur du ballon. Et ça rentre. Eh oui, le gardien est battu. Tireur qui trompe le gardien. Et le gardien est pris, il ne peut que constater les dégâts. Trois changements d'un coup, c'est plutôt rare. Hein. Qui n'aura pas suffi, le ballon est rentré. Le
Barça qui enfonce encore un peu plus leur adversaire. Oui, c'est ça, les grandes équipes, elles savent accélérer quand il le faut. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Bon jeu, il est parti trop tôt. Le ballon a été donné trop tard. Quand même l'impression que cette équipe était complètement dominée, mais la voilà qui a su sortir la tête de l'eau. La plupart du temps, ils ont du mal à faire ressortir les ballons, mais sur cette action, ils ont joué le coup à fond. Et l'entraîneur qui va faire entrer trois joueurs frais, c'est assez rare. Récupération au milieu de terrain. Francesco Totti. Ouais, il y a une bonne idée avec l'appel de Totti dans la profondeur. Walter Samuel. Coup de sifflet final à l'instant sur ce score de 3-1. Un match amical bien négocié pour eux au final. Ouais, c'est une belle victoire. Alors, c'est sûr que.